Bonjour, aujourd'hui sur Mécanique TV, je vais vous montrer comment démonter un démarreur sur une 806 ou une Fiat Ulysse ou sur un partenaire de litre. Donc pour ça, on va commencer par démonter la boîte à air. J'ai déjà démonté, déjà enlevé. Donc on va enlever la boîte à air. Bon, elle est un peu chiante à enlever parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais en essayant de tourner un peu de partout, elle sort. Voilà. Donc le démarreur se trouve exactement ici. Voilà. Voilà. Pour y accéder, il faudra démonter, enlever la boîte à air. Et démonter déjà ces trois boulons. 1, 2 et 3. Clé Allen de 8. Normalement, on va regarder ça. Voilà. Le caille se trouve ici. Il est accessible. Voilà. Voilà, on écarte bien les tuyaux. Il arrive à sortir le démarreur par là, entre tous ces tuyaux. Des fois, il y en a certains, ils vont enlever tout le kit de refroidissement, des tuyaux de refroidissement. Et là, on y arrive quand même à le faire sortir. Ça évite de tout enlever. Donc voilà, hein, juste en le faisant sortir par ici et en démontant le boulon de 13 et de 8, le démarreur y sort.